Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui, je vais vous parler du coffret de la deuxième saison de New Girl en édition DVD de Elizabeth Merriweather avec Anna Simone, Jake Johnson, Larmony Morris, Max Greenfield et Zoé Deschanel. C'est un coffret distribué par 28th Century Fox et sorti en magasin le 1er octobre 2013. Depuis qu'elle a découvert l'infidélité de son petit ami, Jess, une jeune femme naïve et maladroite, partage un appartement avec trois garçons, Schmidt, Nick et Winston. Cette cohabitation change leur quotidien à tous. Entre leurs déboires sentimentaux respectifs, la petite bande cherche sa place dans le monde. Dans cette deuxième saison, mais ça commence mal pour Jess, car elle va perdre son emploi d'institutrice. Ça va être difficile pour elle, mais elle va avoir le soutien de ses colocs. Il faut dire qu'elle n'a pas beaucoup confiance en elle. Elle va se remettre en question et partir à la recherche d'un nouvel emploi. Pour Cici, l'amie de Jess, sa vie amoureuse ne va pas très bien. Elle fera la rencontre de quelques prétendants proposés par sa famille, malgré que Schmidt soit très amoureux d'elle. Même si Jess aura une relation, mais elle va justement pas se développer pendant très longtemps. Et elle va tomber plutôt sous le charme d'un de ses colocs. Et je vous laisse découvrir lequel. New Girl est une série assez conventionnelle, classique, qu'on a déjà vu souvent à la télé, avec un humour simple au premier degré. On retrouve beaucoup de décors naturels qui fait changement des décors de studio qu'on retrouve généralement dans ce genre d'émission. Au niveau des personnages, ils sont bien développés, sans le faire trop rapidement, ce qui permet une évolution tout au long de la saison. Je dirais que le personnage le mieux réussi est celui de Nick, qui est dans la trentaine, un peu techno sans être extravagant, qui est en même temps généreux, drôle et même touchant. C'est un personnage moyen qui permet de s'adapter à plein de situations. Pour ceux qui aimaient les artistes invités, sachez que dans cette seconde saison, on peut voir entre autres Carla Gugino, ainsi que Jamie Lee Curtis et Rob Reiner dans les rôles des parents de Jess. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais et espagnol 5.1, avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve un commentaire audio pour l'épisode Cooler. On a une version allongée de l'épisode Virgin. On a Full of Schmidt, qui est ici un regroupement des meilleures lignes de dialogue du personnage, justement, lors de ses scènes à l'écran. On a également des bloopers et des scènes supprimées. New Girl n'est pas une grande série, elle ne va pas révolutionner le genre, mais elle est bien gérée pour vraiment vouloir en voir davantage. Donc, c'est une série que je vous conseille. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.